Salut tout le monde. Derrière moi c'est Victor. Encore plus derrière moi là-bas c'est Léo. Vous le reconnaissez sans doute déjà. Et sa chaîne c'est les poissons et le pêcheur. Les poissons et le pêcheur. Et c'est une chaîne historique de YouTube pêche. Vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos. Je vous mettrai le lien sous la vidéo bien entendu. Et aujourd'hui on est sur un petit lac du sud-ouest, ma foi, comme vous l'avez vu, qui est plutôt... Ah voilà, ça j'aime bien. Bon bah alors attendez, je vous laisse dans l'action. Un poisson pendant l'intro, ça fait plaisir. Ouais, ça mérite le tuisage. Léo commence très fort. Voilà. Je pose les bases là. Il pose les bases. Il fallait pas traîner. Eh oui, il fallait pas traîner. Allez. Donc Léo, voilà. Les poissons, les pêcheurs, et ben il sait faire des poissons. Forcément. Très jolissant. Un linéaire, comme ça dans combien d'eau là, je sais même pas. Ouais, il me l'a ramassé 8,4 m. Eh, il est pas dégueulasse hein. Ouais, très correct ce poisson. Allez. Eh ben ça commence, vous l'avez vu, hein, on peut pas vous mentir en vidéo. C'était pendant l'intro, moi j'ai même pas commencé à monter mes cannes, que déjà, boum. Deuxième lancée. Eh ben ça commence fort. Hein, c'est jamais bon, hein, premier poisson, premier lancé. Deuxième lancé, t'as dit. Deuxième lancé. Ça va, deuxième lancé. Le premier, j'ai posé l'air au fond. Il a regagné son petit pays. TP 10 grammes, l'heure de 4 pouces, coloris plutôt naturel. C'est pas vrai ce truc, on peut pas faire une intro tranquille. Donc qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Donc ben voilà, on va trouver du sang apparemment. Le lac est très bas, vous le voyez sans doute déjà. Et il peut y avoir un peu de pluie. Là, c'est en train de tomber. Voilà, c'est rien de méchant. On va quand même surveiller un peu les orages parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Un petit pic à 40 degrés prévu, ça va être sympa. Donc c'est pour ça qu'on est venu très tôt, ça piquait un peu ce matin au réveil. On va pas rester toute la journée là parce que sinon on va cuire. On a pris la crème solaire, on a pris tout ce qu'il faut, on a beaucoup d'eau sur le bateau et on est censé faire des poissons. Donc ça vous allez le savoir dans une minute, c'est parti. Et aujourd'hui on va chercher des persidés, je pense. Sauf erreur, il peut arriver qu'on fasse du brochet. C'est possible. Une silure aussi. Silure aussi, ouais. Quelques silures sur le... On verra. Allez, une heure plus tard. Ah mais il a saboté mon premier lancer en fait. Il a fait exprès. Poisson. Bah voilà. Un pike. Premier lancé, premier poisson. Là par contre je suis mal. Allez. Petit paikouné. Eh, il s'est fait manger un peu croqué lui. Tac. Aussi gros que le fat boy. Il y a une route noyée en fait. Avant le jeu avec Louis. Ouf, poisson. Belle touche. Sous le bateau là. Non ça va, c'est pas gros. Bon. La touche elle était jolie. Ah, c'est que j'ai encore un mec qui passe avec un frein d'essai et ça c'est les youtubeurs. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, ça c'est les youtubeurs. Et voilà, c'est rangé. Il est coffré de chez coffré. Allez ça. Coucou. Il a fait bien plus profond que tous les poissons. Youpi. Je suis au cache-cache. Voilà. Et voilà, petit cendre d'été. On a de la chance, le ciel est encore voilé. Mais on n'a pas chaud et du coup les cendres sont pas mal actifs, j'ai l'impression. Tiens mon grand. Puis ça va, ça repart. Une belle touchette. Ça faisait longtemps que je marque une touche de sang. Bon mais belle ambiance, moi j'ai dit. Belle lumière, hein. Beau temps, poisson. Il est bon le guide hein. Non. Belle souche. Ouais. Comment t'as pu t'accrocher là-dedans? Je sais pas. Je sais pas, j'ai à peine laissé couler, j'ai rien fait, j'ai même pas ramené. Il y a deux trucs sur le lac. Voilà. Ça vient même pas. Tiens. Deuxième solution. Voilà, merci. On voit le mec qui guide quand même, tu vois. Coucher les gens, c'est une bite. C'était quoi pour toi? C'était une souche, un caillou? Je sais pas, je vais tirer. Donc là, on avait décalé un petit peu, mais on a trouvé des poissons effectivement, mais qui voulaient plus mordre, donc on revient sur le spot du début, un linéaire, tout pareil. Oh, oh. Allez. Allez, allez, ouais. Dommage. C'était pas violent, mais c'était net et précis. Hein. Ah, un vertic? C'est beau? Ah oui, bien. Ouais. Nickel. Tac, bien rangé là où il faut. C'est bon ça. Un vertical, là, il disait rien. Derrière, nous, on discutait. Bien rangé. Tac. Ah, mais il y a un triple qui va avec. Regardez ce qu'il y a dedans. Oh, merde. Ah bah, t'as mieux, tu vas lui enlever ça. Je me disais, mais il y a un truc qui dépasse. Tu vas y arriver, tu crois? C'est bon. C'est bon? Je ferais pas mieux. Ouais, j'ai enlevé au moins le fil qui dépassait, mais je pourrais pas faire mieux. Sans le défoncer. Écoute. Bon, allez. En tout cas, ça a pas l'air de trop le gêner. Ouais. Allez, vas-y. Quand même croquer. Parti. Hop. Nickel. Il est parti comme il est venu, lui. C'est ça. Tu vas voir le dard, Léo? Ah ouais, en tout cas, c'est comme ça. T'es monté un peu en taille. Hein, ouais, t'es monté en taille, ouais. T'es rangé, hein. Hop. Coloré, même que tout à l'heure. Ouais. Nickel. Même que tout à l'heure, tête plombée maison, 17 grammes là. Pour de la vertique, on allait quand même assez vite. Ouais, 17 aussi, ouais. Il fallait bien ça dans 10 mètres et quelques. Hein. Allez, on continue. Bon, mais tu nous as indiqué un spot. Oui, moi je bouffe la feuille. Non, mais en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on passe le diplôme de guide. Ça fait une bonne excuse quand t'attrapes pas. Tu dis, ouais, mais c'était fait exprès, je laisse les poissons aux autres. Il s'est baladé avec ça, une agrafe ah oui, costaud. Ouais, c'est du 35-40 quoi. Du crin. Du crin. Poisson. C'est petit. Qu'est-ce que fait le truc? C'est harponné. Encore plus petit que le brochet de tout à l'heure. Quand je vous dis qu'il y a des cendres ici. Plouf. Poisson. Oui. Ouh. C'est si lourd ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est un sandwich. Il a pris loin, ouais. Oh, c'est un vrai broc. Je l'ai joué, poulet. C'est bon ça. C'est un petit problème neurologique apparemment. Ah, t'inquiète, j'ai les jambes, elles sont en compote, là fallait pas décrocher, ouais. Boum. Excellent. Excellent. À 85 passés. Par contre, Léo, tu fais des beaux poissons, mais il faudra changer le short quand même. Mais très bien, mon short, putain. Ah ben voilà. Boum. J'ai un moustachu. Eh, quand le barbu rencontre le moustachu, ça donne quoi? C'est clair que c'est un moustachu, c'est sûr. Kipiti. Premier poisson pour Victor, il est tellement heureux. Tu l'as maîtrisé lui. Ah bah ouais. Ah bah il est parti. Ah bah bravo. Tu l'as pété? Ouais. Ah ouais? J'avais le leader là, et il a mis une tête et ping. Aïe aïe aïe, il t'a eu. Et en plus il m'a fait un nœud sur le bâtiment. Et en fait il m'a niqué jusqu'au bout quoi. Et voilà la fin de journée sur ce joli petit lac du sud-ouest de la France avec finalement une météo qui a été plutôt clémente pour nous. On avait peur parce qu'il y avait une canicule qui était annoncée, finalement on a été bien. Ouais. Là ça se lève, il est 14h, on commence vraiment à cuire donc on va y aller, on pense qu'on a tout fait. Hein ouais, on fait le tour. Hein. Manque la perche pour le grand chelem. Manque la perche, ouais. Mais les perches, ce sera un peu plus tard, apparemment, sur ce lac. Merci Léo d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Ouais. Grâce à toi, on a vu des beaux poissons et on était bien guidés par monsieur Géolas ici. Vous trouverez toutes ses coordonnées si vous voulez être guidé dans la région toulousaine sous la vidéo et sur Roadmaps aussi, le site Roadmaps qui permet de trouver des guides près de chez vous. Petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça. Petit abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si vous voulez pas louper les prochaines sorties. Et puis à très bientôt sur Scarna Fishing. Ciao. Ciao.